Au Burkina Faso, le CDP de Blaise Compaoré rejette la décision du Conseil constitutionnel qui invalide la candidature de ses leaders. Le parti appelle ses militants à la désobéissance civile. Au Cameroun, plusieurs officiers ont été promus généraux dans un contexte où les forces de défense camerounaises sont engagées dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Et puis le Gabon accueille une réunion d'experts des États d'Afrique centrale sur le changement climatique. Objectif, valider une vision commune avant la conférence de Paris en décembre prochain. Bonsoir à tous et merci de prendre ce nouveau rendez-vous de l'information sur SICA. Au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel a déclaré hier inéligible aux législatives d'octobre 42 partisans du président déchu Blaise Compaoré, dont Eddy Kamboigo, le chef de son parti, le CDP. Une décision rejetée par l'ancien parti au pouvoir qui a renoncé aux élections et appelé ses militants à la désobéissance civile. Des précisions avec Claude Ramba, notre correspondant à Ouagadougou. Les candidats qui ont participé au projet de modification de l'article 37 ou qui l'ont soutenu ne sont pas éligibles pour les législatives du 11 octobre prochain. Ainsi en a décidé le Conseil constitutionnel qui a examiné ce mardi le recours introduit par Angelin Dabiré contre certains candidats aux élections législatives d'octobre 2015 au motif qu'ils ont soutenu la modification de l'article 37 de la Constitution. Ne prenant donc pas part aux élections législatives, les anciens dignitaires du régime Compaoré. Sont frappés par cette mesure, Eddy Kamboigo, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, le parti de Blaise Compaoré, il était tête de liste pour la province du Passouri. Avec lui, Fatou Dendéré, la femme de l'ancien chef d'état-major particulier du régiment de sécurité présidentielle de Blaise Compaoré. Le vice-président du parti Achille Tabsoba est également touché par la mesure. Léonce Koné, l'ancien président du directoire du CDP, est également inéligible. Les candidats des autres partis de l'ancienne majorité ne sont pas épargnés. Toussaint Abel Koulibaly, le président de l'Union pour la République UPR et ancien ministre de la décentralisation, Gilbert Noël Ouédraogo, président de la DFRDA, sont aussi exclus du jeu. Le Conseil constitutionnel a estimé que le Burkina n'a pas mis en œuvre la décision de la Cour de justice de la CEDEAO du 13 juillet dernier, laquelle avait condamné l'État burkinabé à préciser le contenu de son code électoral. Le Conseil s'est donc basé sur l'article 166 du code électoral qui déclare inéligibles les personnes ayant soutenu la modification de l'article 37. A noter que les décisions du Conseil constitutionnel sont sans recours. Si le président du CDP, Eddy Kamboigo, avait mis en garde qu'il n'accepterait pas une exclusion des membres de l'ex-majorité aux prochaines élections, la réaction de Gilbert Noël Ouédraogo est tout autre. Dans un tweet posté juste après la décision du Conseil constitutionnel, le président de la DFRDA prend acte de la décision en écrivant ceci. Compromis, en tant que légaliste, nous prenons acte de la décision du Conseil constitutionnel et nous nous inclinons, soucieux de la préservation de la paix. Au Bénin, les détenus de la prison civile de Cotonou ont reçu la visite du garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme. Evelyne Da Silva, conduite par le régisseur des lieux, est allée toucher du doigt les réalités du centre pénitentiaire. L'autorité judiciaire, bouleversée par les conditions de détention, s'est engagée à œuvrer pour leur amélioration. Voici un extrait de sa déclaration à l'issue de sa visite. Nous, au ministère, c'est un quotidien pour nous, la vie des détenus. Comment faire pour améliorer leurs conditions de vie? J'ai à côté de moi le DAPAS, le directeur qui s'occupe des affaires pénitentiaires. Et le fait de les rencontrer, vous avez pu voir et constater qu'ils étaient heureux. C'est la preuve palpable de ce qu'on pense à eux, qu'ils ne sont pas oubliés. Je leur ai promis qu'au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement, ça va changer. Et ça changera parce que ce sont des Béninois comme nous qui méritent une vie meilleure. Il y aura des comités, sous-comités qui vont être créés, mis en place pour qu'on puisse prendre en compte toutes les préoccupations sans exception.
En bref, à présent, au Soudan du Sud, 9 jours après les rebelles, le président Salva Kiir a signé à son tour ce mercredi à Juba un accord devant mettre fin à 20 mois de guerre civile. C'était devant les dirigeants de l'organisation régionale LIGAD qui a assuré depuis janvier 2014 la médiation des pourparlers de paix à Addis Abeba. Dénonçant des dispositions néfastes de l'accord, il a exprimé de sérieuses réserves contenues dans un document annexe de 12 pages remis au médiateur. Précisons que la démilitarisation de Juba, la capitale du sud soudanaise, et la large place accordée aux rebelles dans le cadre du partage du pouvoir local dans l'état pétrolier du Haut-Nil posent toujours problème. Toujours en bref, mais cette fois-ci au Tchad, deux membres présumés du groupe islamiste nigérian Boko Haram, pourchassés par l'armée tchadienne sur le lac Tchad, se sont fait sauter en activant les explosifs qu'ils transportaient. Cela s'est produit hier mardi sur l'île de Kaïga-Ngouboua. Selon une source militaire, l'explosion n'a pas fait de victimes. Pendant ce temps, le procès de 10 autres membres présumés du groupe islamiste Boko Haram, arrêtés après un double attentat suicide en juin dernier à N'Djamena, a débuté ce mercredi devant la cour criminelle de la capitale tchadienne. Notons qu'il s'agit du premier procès au Tchad de membres présumés de Boko Haram. Au Cameroun, le président Paul Biya a promu au grade de général plusieurs officiers supérieurs de l'armée. Ces derniers ont reçu leurs attributs dans un contexte où les forces de défense camerounaises sont engagées dans la lutte pour la protection de l'intégrité territoriale du pays. Un pays menacé à l'extrême nord par la secte islamiste Boko Haram et à l'est par les insurgés venus de la République centrafricaine. Les images. Ils sont au nombre de 5, les officiers supérieurs promus au grade de général au Cameroun. Des mains du ministre de la Défense Edgar Ungo et en présence du Premier ministre Philemon Yang, tous ont reçu tout d'abord les épaulettes, puis la casquette et enfin le fanion, des attributs qui font d'eux des généraux aptes à accomplir leurs missions respectives dans la lutte contre le groupe Boko Haram, notamment au niveau des frontières du pays. J'ai été élevé au grade de général de brigade et je vais commander. Je suis commandant en seconde la force multinationale. C'est une lourde responsabilité parce que les attentes des chefs d'État sont énormes et des populations en général. Le général Jacob Kodi commande pour sa part la 4e région militaire interarmée de Maroua. Qu'est-ce que j'attends des hommes, des populations, c'est de continuer comme par le passé, sinon plus que par le passé, non seulement à remplir nos missions avec honneur, fidélité, et loyalisme et dévouement, mais en ce qui concerne nos frères et sœurs qui ne sont pas militaires, c'est également leur participation active à nos côtés, en nous donnant des renseignements, en nous soutenant comme ils ont pu à le faire jusqu'à ce jour. Notons que les 5 nouveaux généraux ont été promus le 13 août dernier par décret présidentiel, une promotion qui apparaît comme une reconnaissance des efforts déterminants des forces de défense camerounaises dans la préservation de l'intégrité du territoire national et de la protection des populations et des biens dans les zones où sévit le groupe Boko Haram. Nous sommes cette fois-ci au Gabon où Libreville accueille depuis hier la réunion des experts de la communauté économique des États d'Afrique centrale sur les changements climatiques. Au menu, préparer une prochaine rencontre des chefs d'État. Plusieurs pays de la sous-région prennent part aux travaux dont l'objectif demeure la validation d'une vision partagée en prélude au rendez-vous majeur de Paris en décembre prochain pour la COP21. Des précisions avec Paul Avogou Ndila. Après le cuisant échec de 2009 à Copenhague pour imposer un accord cadre contraignant, voici que la planète s'apprête encore une fois à imposer cet accord aux États pollueurs à l'occasion de la COP21 en décembre prochain à Paris et ainsi remplacer le protocole de Kyoto. L'Afrique centrale, qui abrite le deuxième poumon écologique de la planète, se prépare pour parler d'une seule voix. Sur instruction des chefs d'État, la communauté économique des États de l'Afrique centrale a regroupé un segment d'experts de la sous-région pour proposer un document à soumettre pour adoption au ministre de la Communauté.
Vos intenses réflexions durant ces deux jours devront mettre en exergue les spécificités de notre communauté en ce qui concerne la dure question des changements climatiques. Amené par la conférence sur les forêts denses et les écosystèmes humides d'Afrique centrale, le faisceau d'experts sait qu'il n'a pas droit à l'erreur. Car les enjeux des négociations à Paris sont historiques pour l'Afrique centrale qui a toujours été le bon élève en matière de développement durable. Ses efforts en matière d'adaptation et d'atténuation face au changement climatique doivent être absolument pris en compte lors de ces négociations, insiste avec force et détail le ministre gabonais du développement durable. Il est pour nous capital que ces efforts soient pris en compte dans le nouvel instrument qui sera négocié à Paris. C'est dans ce sens qu'il est nécessaire pour notre sous-région. Les experts ont deux jours pour coucher sur papier les aspects liés à la nature de l'accord, dont notamment les financements à l'adaptation et l'atténuation au changement climatique, le transfert des technologies et le renforcement des capacités. Il y va de l'avenir de nos États dont les gaz à effet de serre sont déjà perceptibles sur nos côtes, de plus en plus agressés par une érosion marine particulièrement agressive. La légende de la musique africaine Salif Keïta appelle à la protection des personnes atteintes d'albinisme. Un appel qui intervient alors que la Tanzanie prépare les élections générales d'octobre, ce dans un climat de peur face à la montée des attaques contre les albinos. Reportage. C'est complètement ignorant et c'est inacceptable qu'un être humain sacrifie un autre humain pour son bonheur. L'artiste musicien Salif Keïta, qui dirige une compagnie internationale de soutien aux personnes atteintes d'albinisme, est écœuré par le fléau. Des associations de défense des droits de l'homme ont mis en garde contre le risque d'une hausse des attaques contre les albinos en Tanzanie, où les campagnes pour les élections présidentielles, législatives et locales ont commencé. Cette corrélation, vu que des hommes politiques y ont été accusés d'acheter des membres d'albinos pour faire de la sorcellerie ou fabriquer des porte-bonheur. Je veux lancer un message aux hommes politiques, comme moi-même, que le seul moyen de gagner des élections est de chercher à gagner des votes de la part des Tanzaniens eux-mêmes et non pas en tuant des êtres humains innocents qui ont été désavantagés dès la naissance en étant nés sans mélanine et en ayant des problèmes de vue et en étant mis à l'écart de la société. Pas moins de 76 albinos ont été tués depuis 2000, leurs membres pouvant être revendus pour des pratiques occultes aux alentours de 530 euros et leur corps entier atteignant 66 150 euros d'après des experts des Nations Unies. Ils sont des dizaines à avoir survécu après avoir été attaqués et amputés vivants. D'abord, si on me voit devant le micro en train de chanter, je crois que c'est déjà un impact pour les gens, pour savoir, pour dire que je ne suis pas un monstre. Je suis une personne entière, une personne normale comme toutes les personnes sont. Et que tous les albinos sont comme moi et qu'on a besoin d'amour. L'albinisme est une affection génétique héréditaire qui cause l'absence partielle ou totale de pigments de la peau, des cheveux et des yeux. Le taux d'albinisme est anormalement élevé en Tanzanie du fait de la consanguinité, selon les experts. Salif Keïta espère qu'en prenant la parole et en continuant à jouer sa musique, il pourrait aider à mettre un terme à ces attaques dont les victimes sont souvent des enfants. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes.